Parce que Étienne Tshisekedi, c'est un criminel. Il a trompé la population pendant tout son temps de l'opposition. Et son fils hérite des mêmes méthodes de tromperie, de vol, de la traîtrise de l'antipatrisme chez nous. C'est lui qui est le traître pour la loi pendaison de nos compatriotes qu'on a pendu à la place du 4 janvier, ce qu'on a appelé au stade de martyr, voilà, Banania. Comploteur, il y a Pentecôte, avec le premier ministre Kimba Evariste. Tout simplement parce que Kimba était un intellectuel. Mobutu avait peur de la tête de cet intellectuel Katangé. Il fallait les zigouiller, lui et les autres, Nanani, Jérôme et tout ça. Qui était le traître? C'est Tshisekedi? Vous avez oublié? Qui était le traître pour la mort de Lumumba et qui a osé adresser une lettre au roi Moulopoukeno? La grenouille va bientôt venir. Il appelle Lumumba grenouille, crapaud. Nous avons toute cette lettre-là. Il a écrit la lettre, lui, en tant que ministre de la Justice de l'époque. Et puis, il est impliqué dans beaucoup, tu sais que, d'escroquerie, de détournement des fonds. Ndako a limité Zaka, Zaka, 12e rue, Zaka, Ndako, il y a l'État, Zaka, Ndako, on a été. Il n'a jamais acheté une maison là-bas à limité. C'est une maison de l'État. Vous voyez ça? Alors, vous avez un type comme ça, vous voulez le célébrer, héros national, père de la démocratie. Quelle démocratie? Dites-nous, quelle démocratie? Le père de la démocratie, c'est Lumumba qui est mort pour la démocratie. Il a été élu démocratiquement. Le père de la démocratie, c'est Joseph Kasa-Boubou, notre premier président. Il a été élu. Ce sont ces gens-là qui sont les pères de la démocratie. Nous ne devons pas chercher à offusquer l'histoire, à blesser l'histoire de notre pays, en cherchant à donner des points à un traître de cette trempe. Il a été un traître de la République, il est le diable de la République, il n'est pas le prêtre de la démocratie. Tout ce qu'on fait là, c'est le média Louba qui a cherché à façonner sa personnalité pour que Bamona Mobutu aza Mutumabe, Batumusubaza Batumabe, alors que Azali, ami personnel de Mobutu. Si Mobutu a été dictateur, lui était aussi dictateur, parce que Azalaki Motonaye. Mobutu a été dictateur parce que Balingaki est un dictateur. Il n'y a personne qui n'est dictateur. C'est l'entourage qui fait de quelqu'un un dictateur. Vous voyez? Mobutu Azalaki Moto, soko lobelie ke tala, tika ko subawa, batu azuko monayo. Ah, c'est vrai. Pardon. Tika ko sumbawa, tika suba mukinza, batu azuko kasolo. Mobutu, Balingaki ko stopé, asuma mukinza. Alors, l'expression cheval de Troie, ça signifie, eloko yonakati, Munguna amika shaka nakati. Alors, na Congo, le cheval de Troie des ennemis du Congo, ce sont les Baluba. Je n'ai rien contre, mais disons la vérité. Ba Rwandais, ba Burundais, ba Kenya, ba Ougandais, motu nyoso soki aye na Congo. Azoka kombo ya bato ya tribu mususute, azoka kombo ya biso ba legate, azoka kombo ya ba Congote, azoka kombo ya ba Mongote, azoka kombo ya bandibute, bazwaka kombo ya bayansite, bazwaka ne ba kombo ya baluba. Nous devons dire la vérité que tel est congolais, tel n'est pas congolais. Depuis longtemps, même si vous entrez dans notre site qui a existé bien avant, depuis 1994, il y a toute une liste Ongana Tiaka où j'avais cité certaines personnalités au Congo qui ne sont pas des Congolais, entre autres Kamere. Ta mère a étudié avec mon petit frère à l'université de Kinshasa. Il venait dans ma chambre et je l'ai connu comme étant un Tutsi Burundais. Et il n'est pas nié parce qu'il me connaît, moi, qu'il est. Il me connaît très bien qu'il arrivait dans ma chambre. Ben, moto yozolo baba oti kopona. N'est pas un Congolais d'abord. C'est un Tutsi Burundais. Il n'est pas congolais. Azali Noko ya Vital Kamere. Mama ya Kamere nde kulutu na ye, ou bien ye Azali kulutu ya mama ya Kamere. Moto o baoti konome premier ministre. Nenge na lubaki ba congolais, ba rebobinaka, filmete. Soki botali
na mariage ya Kamere, mutu wana akende kupesa mbongo na famille ya ex mwasi ya nani ya Jibem Piano akomelelo mwasi ya Kamere. Zali ye mutu akende kupesa mbongo wana ya libala. Zali mutu oyu. La fois passée, tomoni le président Katumbi a quitté na Lubumbashi, plein à craquer. Tolanda qui paye, monsieur Fayulu, a quitté na Kinshasa, plein à craquer. Tozo zela pe papa Bemba qui quitté na Kinshasa, a osa la pe va plein. Alors nous voulons juste poser quelques questions à professeur Kilele, qui soutient la Mouka dans tous ces plaints là. Le peuple est confus. Et d'abord, bonjour à tes téléspectateurs, je m'excuse. Et ta réponse serait le peuple. Oui, le peuple soutient la Mouka parce que le peuple est naïf. Et le peuple est amnésiaque. Ça signifie peuple est zangi mémoire. Peuple est zangi miso. Zoko mona, zana miso, mais zoko mona te. Peuple zana bongo, mais bazali na boîte ya mémoire te, po nako revoir nenge zaka kala na ba cassette, ki ou lekisi image, après de quelques secondes ou quelques minutes ou même des mois, ou ki kozong sa image nenge na tala, esika oui. Kure bobine. Oui, kure bobine. Bon, en anglais on parle de rewinding. Peuple zali na eloko na, so ki filme leki, pour le peuple congolais, est silipé. Ce qui filme le qui est sili, et puis atikale na mémoire te. Bon, nana zoko supporte la Mouka. C'est ce même peuple là, pour me répéter. C'est le peuple qui n'a pas de mémoire et qui n'a pas la jugeote de chercher à juger qui est qui parmi le soi-disant leader de la Mouka. Nazo continue ko lobake la Mouka Front Congolais des cons qu'on appelle le FCC, le Front Congolais des cons, l'IDPS, ezali lingumba moko bokeseni ezali te mpele lo elakisami na koya ya Katumbi. Lui qui était dans la Mouka qu'on disait que Ezali groupe, plateforme et opposition, à partir de Poto, à la Kisiba couleur naïe, qui est Azoko supporté Tshisekedi. Ce qui veut dire que Azali Lissoussou, Sima, il y a Martin Fayulu. Et si la population était attentive depuis longtemps, tout le banaye Kolobela Bango, pourquoi que moi n'ai tous ces acteurs politiques là, Bazali, Kobetande Momoko, c'est le même jeu qu'ils jouent, ce sont des acteurs différents, rôle qui lui est attribué, qu'il doit jouer sur la scène politique, mais ils sont dans la même pièce théâtrale qu'ils sont en train de présenter à une population qui ne juge pas bien ce qui se passe. Ils sont tous les mêmes et nous ne changerons pas ce langage. Il n'y a pas de différence entre Katumbi, il n'y a pas de différence entre Martin Fayulu, il n'y a pas de différence. Zali Mutumoko. Donc, Baon, surtout, Bazo Salapo na Kabila. Tout à fait. Et Kabila, étant un agent de Kagame, Bango, tout sont à la solde de Kigali. Donc, la population, pour juste emprunter les termes des politiciens, doit réellement se prendre en charge, la population doit se soulever, nous devons nous soulever, parce que espoir et zalité na katia batouana bazoko se présenter wana comme étant les leaders de ceci et de cela. Espoir et zalité, ce sont tous des distracteurs de la population congolaise, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui sont contents na liwa ya population congolaise pe na disparition ya Congo. Donc cessons d'être distraits, cessons tolanda bato na sima baya na batriko baya na ba masanga
Toyango. Parce qu'il n'incarne pas l'espoir du Congo et de la population congolaise. Voilà. Ndenge bauti ko pona premier ministre oyo ya Congo ya sika professeur Ilunga oyo baponye na FCC professeur Kilele azape collègue nayo nini yo ko lo bapona mopona mi oyo bauti ko pona ya sika premier ministre e foye bake pona ko bongisa mboka mboka zali ndako na yo. On n'a tellement pas besoin de titres académiques. Parce que les gens sont souvent émerveillés, surpris, intimidés par ces titres pompeux qui ne valent rien. Ce qui compte, c'est l'engagement vis-à-vis de Mboka, vis-à-vis de nos compatriotes. C'est ce qui compte. En disant cela, je voudrais dire aux Congolais de ne pas être distrait par des titres académiques inutiles, ni par le passé de quelqu'un dont on ne connaît pas ce qui a été appelé. Ben, moto yozolo baba oti ko kopona. N'est pas un Congolais d'abord, c'est un Tutsi Burundais. Il n'est pas Congolais. Azali noko ya Vital Kamerhe. Maman ya Kamerhe nde kulutu na ye, ou bien ye azali kulutu ya maman ya Kamerhe. Moto oyo bauti konome premier ministre ndenge na lobaki ba congolais ba rebobinaka film te soki botali na mariage ya Kamerhe moto wana akende kopesa mbongo na famille ya ex mwasi ya nani ya Jubin Piano wa komelelo mwasi ya Kamerhe ezali ye moto akende kopesa mbongo wana ya libala ezali moto oyo botala bo rebobine film wana bokomona ye azali wana. Alors, moto oyo azali congolais tepe passé na ye bien que depuis kala asala na Congo, asala na Mobutu, c'est un infiltré parmi les autres infiltrés au Congo. A bebisa ba compagnie mingi na Congo, a bebisa Société nationale des chemins de fer, a bebisa Jekamin. Et si Kanyoso aleka ayiba alia mpe a transfera bomengo nyoso na Rwanda pe na ba banque mususu na mboka mipaya. Et comme je disais, parce que bakatanga bazalaka ba rebelles, les Belges sont allés prendre ces gens na Katanga na nay na Rwanda baina bango Rwanda Burundi baina bango na Katanga. Raison pour laquelle ceux qui ont na Katanga okokuta Katanga ezali à un tiers et demi peuplé par des Rwandais. Quitte au Katangé de cesser la complaisance et de dire la vérité aux gens, ils doivent être provincialistes. J'évite le terme de discriminateur. Ils doivent discriminer, ils doivent savoir nani autaka wapi. Parce que les archives sont là. Les Belges avaient laissé des archives. Même en Afrique du Sud, à partir de Komunayo, Bakoye, Bakeno, Yo Outa Malawi, Yo Outa, ceci et cela. Quand bien même que, si au Bota Banawa, au Balawa, mais Bakoye, Bakoye, Outi, telle place. Alors, que les Katanga soient sincères de ne pas englober tout le monde que Moutounioso, Azali Katangé, Moutouneti, Francis Kalombo. C'est un Rwandais de père et de mère et de par les ancêtres, c'est un Tutsi. Bon, le mal est que au Congo, nous avons une tribu, la tribu Luba. Les Baluba sont les chevals de Troie. Ce qu'on continue à la littérature grecque, romaine à l'époque, au Kotanga, l'histoire, au Kotanga, on n'a pas filmé. Qu'est-ce qu'on appelle le cheval de Troie? Un cheval de Troie, c'est une histoire. Au côté de moi, je ne veux pas entrer dans ça. Où Batoubaye s'attaquait à Katia, la ville Moko. Bapesaka cadeau, il y a cheval, la ville Moko. Nakati, il y a cheval, il y a Banzete, et ça qui n'a pas de soucis. Voilà, parce que nous vous aimons. Tu peux suivre nos chevals, net cadeau, mais ils allaient statuer. Mais Nakati, il y a cheval.
ya mabaya ba soda bazaki na kati lere bato balala ki na butu ba bimi ba bandi ko attaque bato na na mboka pe ba s'emparer na mboka. Alors les gens se disent mais comment bato bazo ko attaque bisu ba otu ap ba monika bango tu bazo ko na kati ya cheval congodialogue.com. Alors l'expression cheval de Troie signifie eloko yo na kati munguna amika shaka na kati. Alors, na Congo, le cheval de Troie des ennemis du Congo, ce sont les Baloba. Je n'ai rien contre, mais disons la vérité. Ba Rwandais, ba Burundais, ba Kenya, ba Ougandais, motu nyoso soki ayena Congo. Azoka kombo ya bato ya tribu mususu te. Azoka kombo ya ba biso ba legate, azoka kombo ya ba Congo te, azoka kombo ya ba Mongo te, azoka kombo ya ba Ndibu te, bazoka kombo ya bayansite bazwaka ne bakombo ya baluba ponani. C'est ça, ils sont les chevals de Troie. C'est la tribu la mieux corrompue, la tribu qui est trop cupide, la tribu qui est traîtresse, à travers laquelle on entre pour attaquer le Congo. Ce qui le loto yebisho que jompo yazaki na ye congolais qui a botté ma canapore à Kalundu na Kivu. Est-ce que vous dites? Les musiciens. Que Azala Kituti. Est-ce que vous dites? Vous dites? Mais à côté, na combo wana, y a Baluba. Azala ki Mulegate. Azala ki Mulegate. Azala ki Mongote. Azala ki Muyakate. Combo bakota kana yango zaka toujours combo ya Baluba. Mpeso ki otali ba officier nyoso na la plupart ya ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais oyo baza na kati ya Congo. Si ils sont 5, 4 ont des noms de Baluba. congodialogue.com. Je n'exagère pas beaucoup mon yango. Vous allez voir les Makenga, vous allez voir les Luboya parmi bango. Parmi batwana. Mais soko tali elongi morphologie c'est des Rwandais. Kito véritable Baluba, le Tokwe, le Batsonge, des insurgés que non, cessez de prendre nos noms. Même à Taboyaka, Kofan de Penabiso, ne vous cachez pas sous ou derrière nos noms. Bou gardez ma combo et à origine Nabino. Il n'y a rien de mal à être Rwandais, à se découvrir comme étant Rwandais, il n'y a rien de mal. Mais Koyako Kosa, c'est là. Où le bas blesse. Alors, votre ministre a des liens avec Kamere. Je dis bien des liens consanguins avec Kamere. C'est lui qui, pendant tout ce temps, a géré les biens de Hippolyte Kanjabé-Kanambe. Il est le gérant d'Hippolyte Kanjabé-Kanambe. Les 3% du pétrole de Mwanda, Oyo Angola, a exploité Kapé à Futakana Congo. 3% on a ekendeke na compte personnel ya Kanambe pe mutu ajira kango ezali premier ministre na bino bauti kopona ba minere mususu ferré et non ferré e uta kana Congo e yaka en Afrique du Sud po ekende kote mususu bipa na mokilito zo kufana kati. C'est lui qui gère tout ça ezali motoye mwasi ya Félix Tshisekedi azali tuti Yaya na ye ya mwasi azalaki kosala na ambassade ya Angleterre na Londres. Boni awa, mwasi wana, oyo yaya na ye ayebani kome etan tuti, azaye kosala na ambassade ya Londres. Yaya azala tuti, yende azala Congolese. Yaza mureka? No, tanto balubi ke azali mushi, azali lukuta. Azali mushi te, azali lukuta te, azali tuti. Oui, Rwandaise ou Burundaise. Et il y a Azali lié même na côté à famille à Nania, ya Kameroyo. Donc vous voyez que Mboka, bientôt, est que vous allez plus gérer par une famille. Félix, soi-disant Congolais, Félix Azali Awa, Kamere, Tuti, Kanambe, Tuti, Premier ministre, Tuti. Moi si ya Kabila, ya Félix, Tuti. Alors, c'est toute une famille qui gère votre pays. Vous voyez ça? C'est une famille. Le président Chilombo. Le président Chilombo.
ayant une femme Tutsi, donc lui aussi est Tutsi. Il est aussi Tutsi. Parce que... Non, lui, il est Congolais. Bon, écoutez. 100%. Des pères et des mères. Le mal, c'est de cacher. Tu vois ça? À cause de la circonstance, il y a Mboka na biso. Biso mingi mingi toke, libanda, peto bali, basi ya kote mousousou, yaguna biso. Tu vois ça? Mais pourquoi je dois cacher ça? Ce qui moi, c'est dans Gaza, l'étranger, n'est pas. Mais je dois vous dire. Nagoma, il avait présenté sa femme étant. Moi, il y a Est. Non, c'est faux, c'est archi faux. Ça se voit et par la morphologie et par nous qui la connaissons. Azalaki Koufana, qui s'assa, tu es bien Denise, Avalungwa, qui s'assa. Les lois ont présenté fausse biographie. Mais pourquoi la biographie n'est pas qu'il y a qu'un Angola? Mais président, après Angola, il y a frappeur qui a mobali. Mais président, bangonyo surtout au Lubilakawa, Ezagaka, auta na Rwanda, auta na Kigali, auta na Burundi, auta na pemeni ya frontière. Yo ovanda kana bango, to bango basaka na baningate. Pour quelque part, baninga na bango pe bakomi ko bima bazo témoigner que to tangaka nae, to vandaka nae, to zalaka nae. Mais surtout komi na ngambo oya yo. Ezagaka kino bango nyuso tu bazaka ka bande ko ya Kagame. Comment expliquer ça? Il n'y a rien qui est caché. Tu vois? C'est le courage qui manque le moins. C'est le courage, la bravoure de dire la vérité. Parce que nous avons peur de dire la vérité. Parce que nous sommes hypocrites. Parce que nous sommes, nous, Congolais, caractérisés par la flatterie. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'il y a une pérennisation de mensonges. Il en est de même avec la religion. Je ne fais pas des interviews sans parler de la religion. Okay. Vous voyez ça? Si la religion a continué à exister pendant ces 2000 ans, à cause d'abord, côté Nabango, violence religieuse, mais surtout c'est à cause de la peur des consommateurs du produit religieux. Si les gens s'étaient mis debout contre la religion, ça allait déjà avoir fin. Ça allait prendre fin. Mais les gens ont peur de dire la vérité, alors ils veulent flatter parce que c'est tout un grand business, la religion. Les églises et tout ça, les mosquées, ça fait un grand business pour les gens. Donc, pour rentrer dans ce que nous disions, et y est banni. Mais l'air Hippolyte Kadjambere Kanambaye, avant même Neko Mbanda Aluba, mais nous avons commencé à parler de ça. Parce que tout est baquillé. Mais parce que les Congolais sont des flatteurs professionnels. Les Katangais doivent beaucoup au Congo. Hein? Tu vois ça? Ils doivent beaucoup. Bango, dans la bouche de ce prostitué politique, Kyungwa Kumwanza, un voleur et menteur, il était le premier à dire Iko mutoto wa mama, mutoto wa Katanga. Et comme on le prend pour un patriarche, ben, sa parole est celle de l'évangile. Hein? Et vous avez vu des gens qui sont sortis pour dire que Bangone Bapé Sakai Komboya Kabange, tout en sachant qu'il est étranger. Dès sa mort, Laurent Désiré Kabila n'a jamais présenté Hippolyte Kanambe comme étant son fils. Il ne l'a jamais fait. Ouais. Et vous avez toute une série des étrangers que les Congolais adoptent parce qu'ils veulent manger derrière eux, ils adoptent comme étant des frères, comme étant des Congolais, tout en sachant que ces gens ne sont pas des Congolais. Ouais? Donc, et pas Nangai Kilele. Je suis né dans la vérité, je vis dans la vérité et je mourrai dans la vérité. Qu'on dise que toute la vérité n'est pas bonne à dire, tout le mensonge non plus n'est pas bon à dire. Vous voyez ça? CongoDialogue.com. Donc, il faut autant dire la vérité parce que c'est votre Bible qui dit la vérité affranchit quelqu'un. Mais le mensonge n'a jamais affranchi quelqu'un. Alors, je m'inscris dans l'ordre biblique qu'il faut dire la vérité et je n'aurai jamais peur de dire cette vérité. C'est notre pays, nous n'avons pas à flatter ni à nous agenouiller. Nous devons dire la vérité que tel est Congolais,
tel n'est pas congolais. Depuis longtemps, même si vous entrez dans notre site qui a existé bien avant, depuis 1994, il y a toute une liste Ongana Tiaka où j'avais cité certaines personnalités au Congo qui ne sont pas des Congolais, entre autres Kamere. Kamere a étudié avec mon petit frère à l'université de Kinshasa. Il venait dans ma chambre et je l'ai connu comme étant un Tutsi Burundais. Et il n'est pas nié parce qu'il me connaît, moi, qu'il est là. Il me connaît très bien qu'il arrivait dans ma chambre. Il y a la naturalisation. Tu vois ça? Il y a la naturalisation. La loi doit être appliquée. Tu vois ça? Ce qui va botami na Congo. Mais la loi est là. On doit savoir ce qu'est le Congolais ou pas. On ne refuse pas. Bisou tozan na bana bazo ko botama wat. Baza na nationalité ou bazali na citoyenneté sud-africaine. Mais les lots, je dois te dire que les Sud-Africains se sont réveillés. Les Sud-Africains se sont réveillés ou bientôt une loi va passer au Parlement où on va révoquer tous les droits qui avaient été donnés aux immigrants. Basi o bazo ko bota sikoyo bana en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a décidé que ba pesa bango ba certificat ba acte de naissance les sousté. Sauf ba ko pesa bango un certificat qui joue la formalité que a botama en Afrique du Sud mais ali acte de naissance qui ne peut pas lui donner la nationalité sud-africaine. Je sais que c'est une violation du droit international. Je sais ça. Parce que Bango, Bazoko, Botama, partout, Bazali, il y a des Sud-Africains en Amérique, en France, en Nouvelle-Zélande, partout en Angleterre, ils ont ces nations, ils adoptent ces nationalités là-bas. Mais Bango va se réveiller. Que non, Mokara Bango, Ezali envahi. Alors, autant diminuer le nombre de ces gens qui veulent se faire Sud-Africains. Mais au moins, on reconnaît à ces gens que Babotami Awa, ils bénéficient d'autres droits comme étant des citoyens de la cité. Mais on te nie la nationalité que tu n'es pas sud-africain. Et l'Afrique du Sud est souveraine de les faire ou de ne pas les faire, ou de violer le droit international et même la Convention de Rome. Et même la Convention de Genève, ils ont droit de refuser parce que chaque pays va signer l'acte de droit international tout en retenant sa souveraineté. Tu vois ça? Mais chez nous, parce que le droit n'existe pas. Nous n'avons pas des gens qui lisent le droit comme il faut et qui l'appliquent comme il faut. Nous avons des complaisants juristes qui ne sont pas là pour défendre le droit, la justice au pays. Et ils se pavonnent dans la rue, maître tel, c'est pas différent de maître sportif qui ont des biceps, maître tel, alors qu'il n'a jamais eu une ceinture, il n'a jamais gagné une compétition olympique. Tout simplement, à quel et Bené, papa, a vu Missy, Babicept, Tolonaye, maître. Alors que tout ça, parce que Mango, pas que WW, tout le monde a Mango, Zoko Beta Bato. Mais, au moment de Mango, Nanzela, maître, parce qu'à quoi Beta, moi, c'est un bata, à quoi, à côté de la vie, tout le monde, à Betio, maître. Mais il n'a rien. La même chose avec les juristes congolais. Ce sont des vauriens. Nous avons besoin de juristes qui sont capables de se mettre debout et d'intenter des procès contre les usurpateurs de la nationalité congolaise. C'est ce que nous avons besoin, c'est-à-dire pas octroyer un certificat inutile, qu'on a un diplôme, on a une licence en droit, et on ne l'applique pas. Tu vois ça? On est allé à l'université pour faire quoi? On doit appliquer la science qu'on a apprise. Et non pas se pavaner dans la rue, maître tel, tu deviens commissionnaire à ma maison, tu deviens conseiller juridique, tu te caches derrière une entreprise pour qu'on te paye le salaire, alors qu'on ne te voit pas à la cour. Nous avons besoin de juristes qui bougent l'audience, des juristes orateurs comme à l'époque de Cicéron, comme à l'époque de Jules César. Pas des petits commissionnaires là qui vont défendre, ça c'est rien. Tu vois ça? Alors nous avons besoin de gens qui défendent la République, qui défendent la dignité et la fierté du Congo et de l'homme congolais. Pas des petits juristes. Congo, Ezali, comme je l'ai dit dans des précédentes interviews, Ezali, quartier général, il y a impunité. Parce qu'il y a le non-respect de textes de loi. Congo, Ezali, facile, il y a qu'à gérer ce qui
bakonzi bazali ko faire respecter mibeko ya mboka. Le fait que nous n'avons pas et nous n'appliquons pas la notion du droit, bato azoko sala ce qu'ils veulent au Congo. Si mosala ezoko zanga na mboka, je pense que les juristes seraient les premiers à trouver du boulot au Congo. Il y a beaucoup de boulot au Congo pour les juristes. Parce que Congo est bébé par manque de respect à droit. Moutounette Kiongo a commencé. 1993, 94, 96, abomisi bakasayen. Abomisi bandekonabiso. Ba discours ezali. Nous pouvons kanisi bokolo kango boti yango. Yena ngunza ba bengi ba luba na Lubumbashi comme étant de bilulu. Bon, soyez na bango ya katanga. Ambo soyez on dit vidudu. Kidudu vidudu. Et la kisi, bakasayen sont des insectes. Voyez ça, c'est ce qu'il avait dit. Et puis, apaisement d'ordre na bakatange, en avant, marche, chasser tous les balouba. Vous savez combien de nos frères, sœurs, mères qui sont morts au Katanga à cause de Kiungu? Mais les Kasayens et les Katangais, ils ont le même peuple. Kiungu, c'est un génocidaire. Mais les Katangais continuent à l'adorer. Or, si la loi existait réellement, c'est quelqu'un qu'on doit appréhender et qu'on doit incarcérer à vie. Si pas le pendre pour avoir décrété la mort d'homme. Les maisons de Kasayé étaient brûlées, leurs biens confisqués. Ils ont perdu la vie humaine. Les gens sont partis avec des mains amputées. Les gens sont morts à cause de Kiungu Akumwanza. Et nous avons des juristes chez nous. Nous avons le département de la justice chez nous. Qu'est-ce que ça fait? Absolument rien. Mais pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, prenons la Deuxième Guerre mondiale, tous ces nazis qui entouraient Hitler, après le jugement de Nuremberg, on les a exécutés derrière la cour. Et ceux-là qui ont réussi à s'enfuir, jusqu'aujourd'hui, on continue à les traquer. Jusqu'aujourd'hui. Et l'Allemagne, et l'Europe. Et Israël continue à traquer tous ces anciens nazis, même à Tabazan, 90, 100 ans. Bakangi, ah, yo, aussi a changé de visage. Yo, oh, yo. Parce que là, gardien, quand il y a concentration, Bakangi, bâtit la prison. Même à Zan, 90, à 100 ans. Mais pourquoi chez nous, les gens sont des Rambo, sont des intouchables? Raison pour laquelle on peut avoir des leaders, on peut avoir de la mouka, on peut avoir. Aussi longtemps que ces gens se croient intouchables, parce qu'ils se croient immunisés contre la justice, la loi, ils vont continuer à drainer la population, comme d'habitude, parce que la population n'est pas protégée. C'est la loi qui doit nous protéger. C'est la justice qui doit nous protéger, nous tous, pour mettre fin à ce qui se passe au Congo. Vous voyez ça? On ne peut pas blaguer avec la nationalité congolaise si la justice était fonctionnel, si la justice était opérationnelle. Mais parce qu'on sait que ça n'existe pas. C'est une faculté inutile. Ça n'existe pas. Alors on fait ce qu'on veut. Mais c'est très facile si la justice était là. On imprime les cartes de citoyenneté, on imprime les passeports. Les chefs coutumiers connaissent qui est qui parmi ces sujets dans les villages, dans les quartiers, partout dans les provinces. Il voudra qu'il ne l'ait pas d'ici. Jean-Marie n'est pas d'ici. Celui-ci est d'ici. Il y a papa, il y a maman, il y a un telle année. Et il n'y a rien d'ibal en répertoriant que Moutou est à Outa quelque part. Il y a des Turcs qui sont en Allemagne depuis longtemps et ils ne sont jamais des Allemands. J'ai toujours répété ceci. Ils ne sont jamais des Allemands. Mais ils reconnaissent comme étant des citoyens de cette cité où ils vivent. Il n'y a rien d'ibal. C'est pour mettre fin à l'enquiquinage de peuple congolais par un peuple envié. Pauvre, malin, rusé, envié les Tutsis. Alors aujourd'hui, vous avez un premier ministre qui s'est incrusté dans le cheval de Troualouba
il sort avec un nom Luba. Alors que c'est un étranger. C'est un étranger. Et les Baluba acceptent ça tout simplement parce que Azana, Kombo, Yabaluba, Ilunga. Non. Et ils sont nombreux comme ça. Ce même type ici, le premier ministre ici, qui avait facilité l'inscription de Kamere à l'université de Kinshasa. Vous voyez ça? C'est lui qui l'avait aidé à part ça. Mais ce Kamere appartient au groupe de Tutsi, Rwandais, Burundais, qui appartenait à un cercle restreint de nouveaux étudiants étrangers de CPGL qu'on appelait les Mushobekwa Boys. Mushobekwa Kalimba wa Katana n'était pas quelqu'un de Katana, c'était un Tutsi, celui que Mobutu a nommé comme ministre des Affaires étrangères à un certain moment. Ce n'était pas un Congolais. Il disait qu'il était de Katana. Allez à Katana et cherchez si vous allez trouver sa famille là-bas. C'était un Tutsi. Alors, il est temps de commencer à discriminer contre ces gens. Sinon, ils vont continuer ceci. Vous voyez ça? Et je demande à tous les Congolais dans toutes les provinces où vous êtes d'être discriminatifs et discriminatoires. Ça ne signifie pas d'être raciste, mais seulement d'identifier qui est qui. C'est tout. Qui est qui? Et mettre un mécanisme juridique que ceux qui m'outoyaient, ils n'ont aucun droit de faire ascension dans l'administration jusqu'à arriver à tel niveau. S'il doit être un huissier de première classe qui s'arrête là-bas. Nous avons besoin des inventeurs. Les Tutsis qui se disent partout qu'ils sont plus intelligents que nous. Bala Kisabiso, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qu'un Tutsi a inventé au monde? À part les mensonges. Qui nous montrent qu'est-ce qu'ils ont inventé. Parce que partout ils vont, ils disent, les Congolais, ils disent BMW, beer, music, and women. Bon, qui n'a pas besoin de la bière, de la musique et de femmes partout? Bango ba outa wapi, namo cité. Ndengeni population bango, démographie bango, ezomata. C'est parce qu'ils font le sexe avec les femmes. S'ils ne faisaient pas le sexe avec les femmes, s'ils n'aimaient pas les femmes, mais il n'y aurait pas un boom démographique au Rwanda et qu'ils cherchent un espace vital où vivre. C'est parce qu'ils aiment les femmes. Alors, si les Congolais aiment les femmes, où est le problème? Pourquoi notre cas doit devenir exceptionnel? Hein? Sauf qu'il n'y a aucun à Rwanda. Mais les Rwandais ne travaillent pas. Et nous devons nous dire la vérité. Moi, j'ai été au Rwanda. Qui sont, depuis l'époque coloniale, qui enseignent dans les écoles rwandaises? Ce ne sont pas des Congolais. Kende Kuna, Okokuta, les Congolais, malgré la crise qui est entre nous et dans presque toutes les écoles, s'il y a 9 écoles au Rwanda, 8, les Congolais enseignent là-bas. Même si au niveau université. Et maintenant, tu vas rencontrer beaucoup d'Ougandais qui enseignent là-bas. Et on leur donne des diplômes gratuits comme ça. Nous connaissons parce que Moussa Mangana Izanine, Moussa Mangana Komela Masanga, Kassix, Komela Masanga, à tout moment, ce sont des paresseux. Les Rwandais qui ne les connaissent même pas Nabiso. Les Bayak et pas Nabiso na Congo. Mais nous connaissons les Rwandais comme étant des soulards. Vous voyez ça? Ce sont des gens qui ont fait ascension grâce à une connexion tribale où on les faisait passer comme ça et à la corruption. Alors, Bango Bakenoubagno, les Congolais, c'est BMW. Ah bon, ça va? Mais nous avons besoin des étrangers qui ont des têtes. Pas des flatteurs et des envieux. Parce que le Tutsi n'a que deux choses. Okay. La ruse et le mensonge. C'est tout ce que le Tutsi a à travers le monde. Je dis bien la ruse. Ils appellent ça chez eux Bwenge. C'est le même mot chez nous, le Balega. Chez nous, le Balega, on appelle Bwenge. Bwenge, ça signifie la ruse. Et la ruse ne signifie pas l'intelligence. La ruse, c'est une intelligence malhonnête. Vous voyez ça? Quand vous étudiez les fables de La Fontaine, il y a toujours un animal qu'on appelle le lièvre, qu'on dit qu'il est plus... On ne dit pas qu'il est intelligent. Il est plus rusé que tous les animaux. Quand on est rusé, on n'est pas intelligent. Ou on a une intelligence suprême, mais malhonnête. Hein? Et c'est comme ça que sont les Tutsis. À travers le monde, ce sont des rusés, des enviés. C'est tout ce qu'ils ont. Au-delà de ça, ils n'ont rien. Vous voyez ça?
Et ça me rappelle encore Charles Baudelaire, dans un des poèmes où il parlait de la Belgique, il a qualifié les Belges en disant « petit pays, petit peuple, petit cerveau ». Et c'est la même chose avec les Rwandais. « Petit pays, petit peuple, petit cerveau ». Mais qui sont rusés. Alors, nous devons faire très attention à ça. Nous devons nous réveiller et être discriminatifs partout où nous habitons. Si quelqu'un vient, nous devons cesser avec ce qu'on dit l'hospitalité légendaire du Bantou. L'hospitalité de Bantou, c'est la naïveté. Vous voyez ça? C'est la naïveté. Okoya, Motokoya, au PC Chambre Nayo, Alala, Yo, enfin, nation, il y a un mot tourné, tingaï, au PC Bilo, quoi, collé, au PC Maï, alors qu'il y a aucun coup de salamoué panayote. Le Rwandais peut aider qui? Qu'est-ce que le Rwandais peut aider? Parce qu'ils n'ont rien. Baya et Panabiso. To tangi sa bango. To loja bango. To pesa bango bourse. Voilà, il nous paye à monnaie de singe. Et nous continuons toujours à les suivre. Vous allez voir, vous allez retrouver les gardes du corps de Caméré, ce sont des Congolais. Ceux qui étaient des gardes du corps de Mikoro Itara, ce sont des Congolais. Les chauffeurs, ce sont toujours des Congolais. Parce que nous avons cet esprit de flatterie, de naïveté, de mendicité. Nous sommes des mendiants, de mendicité et de fainéantise. Nous ne voulons pas travailler. Et nous croyons que quand quelqu'un arrive, notre salaire se trouve en lui. Ainsi, au Koku dans la Kata, langage est congolais. Ce qu'on ne savait pas mondele, chaque Congolais a son mondele. Mondele n'anga linga kangaye. Il faudrait que Nekutu n'ait pas mondele. Aza mondele na yote. Il est ton patron. Le patron n'a pas besoin de t'aimer. Le patron a besoin d'apprécier ton travail. Il faut le faire honnêtement. Mais le Congolais dit mondele n'angaye. Oh, patron n'angaye. Tout ça, c'est ton langage de flatterie qui reflète notre fainéantisme, notre malhonnêteté, parce que nous ne voulons pas nous engager, travailler et créer le bonheur autour de nous-mêmes. Alors nous devons discriminer contre les Rwandais et contre tout autre individu qui arrive, tout en lui disant, toi tu viens de telle place. Tu as le droit de rester en tant qu'être humain, mais tu ne peux pas faire ascension à ce niveau là-bas. Mbongo nyoso yo bayibi na tango ya occupation yo, et koki kaka te, batu mususu bali ya te kaka bango kaka. Donc batu bayaka, le batu te la baya kina kwa kompanye bango bango kande bali yaka. C'est pas bien, ces gens-là, nous devons les arrêter, les juger, exécuter certains et les autres les arrêter à vie, condamnés à mort, afin de pouvoir arranger la situation au pays. Ça ne doit pas continuer de cette façon. It can't go on. Non. It's too much for us. Si jamais un gouvernement de nationalistes comme nous parvenait à prendre le pouvoir, nous allons en découdre avec tous ces bandits et des voyous et qui nous ont dirigés pendant ces 22 ans, 23 ans d'occupation. Nous allons mettre fin à ces gens-là. Nous allons les arrêter et les manger. Mon mouvement, il y a en Afrique ces derniers temps, Algérie, Tunisie, Soudan, tout ça. Est-ce que le mouvement, tôt ou tard, ça peut aussi comme appelé dans le Congo? Je ne pense pas. Parce que ça pouvait arriver depuis longtemps. Je ne pense pas. Parce que le peuple a talaka leader. Si le leader est complice, c'est allé rare, peuple est bima. Et ça a quelque chose. C'est allé rare. Par là, je veux dire quoi? C'est ce que j'ai dit. Allons dans le passé. Étienne Tshisekedi. Mais Tshisekedi a été le politicien le plus populaire, indéniablement. Peut-être Moto Oya battre pour le moment la popularité, les années Martin Fayoulou. Tu vois ça? Il a été plus populaire que Lumumba. Il a été plus populaire que Mobutu. Mobutu s'est rendu populaire par dictature, on forçait les gens. Mais lui, le peuple le suivait partout. Il incarnait l'espoir du Congo, Étienne Tshisekedi. Moins de gens savaient qu'il jouait à ce même jeu de distracteur de la population. C'était un acteur comédien politique. Hein? Les jours, il est dans la rue avec la population, il fait tuer la population. La nuit, il va sabler du champagne avec son ami Mobutu. Ils vont se délecter avec les femmes quelque part.
voyez ça? Ami personnel de Mobutu. Et à la fin, il est mort. Nous savons comment il est mort. Certains internautes en ont déjà parlé. Et vers la fin, pendant que le peuple demandait il attendait que le mot d'ordre. Mais il a laissé une phrase légendaire. Bokende, bola la pongi ya baba ya ba bébé. Vous voyez ça? Bola la pongi ya ba bébé. Vous voyez la complicité et la duplicité. Mais c'est quoi tout ce l'amour qui dit? Attendez. Complicité et duplicité. Mais il était aussi le premier à dire mais entre-temps, il faisait des excursions à Kigali. Entre-temps, lorsque Fanda en Afrique du Sud, soi-disant Zaraki malade, à son retour, au lieu d'aller tout droit sur Kinshasa ou sur n'importe quelle province, il a d'abord fait un tour à Kigali pour aller chercher la légitimité des pouvoirs qu'il a au travers la population qui l'aime et qui le soutient. Il n'a pas fait ça. C'était toujours du folklore, du spectacle au stade. Marée humaine, à quoi descendre, à quoi atterrir en aéroport, pour à quoi na limité, eh bien, c'est un siècle pour que Batoubalek. Et surtout quand Kinshasa, au Congo, il n'y a qu'une seule route souvent. Les gens devaient marcher à pied parce que Tshisekedi a commis. A Tikabisoapi, nulle part. Mais la population n'attendait qu'un seul mot d'ordre. Comme Laurent Désiré Kabila l'a fait pendant le peu de temps qu'il était là-bas. Quand il a dit, attaquons les Rwandais. Mais tu as vu comment la population a agi. On les a attrapés, on les a mangés, on les a brûlés. On les a jetés dans Mayanjili et partout. La population n'a attendu que le mot d'ordre du leader. Vous voyez? À l'époque de Kabila. Laurent Désiré Kabila. Maintenant, Bozui, ce n'est pas Fayoulou ou je ne sais qui. Mais avant Fayoulou, vous avez. Comment il s'appelle ce type-là de l'Équateur? Jean-Pierre Bemba. Pendant que la population voulait sortir et aller s'emparer de Rwandais. Mais c'est le même Jean-Pierre Bemba qui a dit à la population, après son deal avec le Rwandais, Moto Oya Kobima, avec son MLC, a Kokuta Nabiso na Barabala. Et c'est Batouba Bima qui? Batouba Fana Yandako. Lui qui, soi-disant, entre guillemets, est Congolais. Alubi Oya Komeka Kobima, a Koyoka. Mais il était soutenu par la population. Vous voyez ça? Soutenu par la population. Il a trahi la population. Moïse Katumbi, à part qu'on lance au troisième pénalty, il a dit, heureusement que nous sommes dans la période de la technologie, je ne trahirai jamais le raïs, je ne trahirai jamais le chef de l'État, Joseph Kabila. Il a dit, ça se trouve là-bas. Non. Trahison. Martin Fayoulou. Peuple à l'obi, Pesabiso Minduki. Tobundana Batoyo, Pesabiso Minduki. Il n'a pas un arsenal. Azali na izina ku fabriquer Minduki. Azali na Minduki na Munokonaye. C'est ce que le peuple demande. Azana Minduki, Azana Arsenal, Azana Missile, Nakate Munokonaye. Si il ose dire, Oye Mobutu Zekoloba, Oye Koya, Eya. Bana Namboka, Bana Bandikonanga Mboka, Bana Mboka, To Bimali Banda, To Bomanana Batoyo, Oye Koya, Eya. Mais ça ne va pas, mon ami, mon cher ami, ça ne va pas prendre 24 heures. Nous réservons la solution, le problème au Congo. Ça ne va pas prendre 24 heures. Il a l'arsenal dans sa bouche. Les armes sont là. La population attend le mot d'ordre de Fayoulou. Mais Olier a décidé Yango. Mais il est devenu un danseur. Mais partout il va là, il danse.
il est devenu danseur à Kenya Kisangani, à Kenya partout. Voilà, c'est un danseur. Mais où avez-vous vu des leaders qui dansent comme ça? Mais on danse et on chante après la victoire. Vous voyez ça? On danse et on chante quand on est au summum de la victoire, donc quand on est dans l'extase. Ndenge au Monaco, certains boxeurs, ndenge au Monaco, certaines équipes, après la victoire, bazui coupe, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui dansent. Bamususu balongulaka mayo, bazo kotambola tolo polele, babini. Mais on danse quand on a gagné. C'est quand on danse. Mais comment vous êtes dans la lutte, ozali na munduki, ozoko nubuna, et tu te mets à danser, tu n'as pas encore tué l'animal? Mais ça, c'est quoi ça? C'est quel genre de leader? On va danser comme ça partout, loketonyo sozoko bukana. Et vous voyez, ce sont ces leaders-là qui sont là pour distraire la population. Il a un rôle qu'il joue. Donc, il n'est pas différent. Il n'est pas différent d'Étienne Tshisekedi. Il n'est pas différent de Félix Tshisekedi. Il n'est pas différent de Katumbi. Il n'est pas différent des autres. Ils sont la même personne. C'est une tragédie qu'on est en train de nous présenter. Et chacun, dans cette tragédie, a un rôle tragique à jouer. Et c'est le peuple, comme je l'ai dit en commençant, qui est amnésiaque. Le peuple a des yeux, mais ne voit pas. Le peuple a des oreilles, mais n'entend pas. Le peuple a un cerveau, a un foufou na kati. Le cerveau n'a pas fonctionné. C'est un cinéma qui se joue. C'est un cinéma qui se joue. On nous trompe. Alors, on le suit partout. Je comprends parce que le peuple est désespéré. Le peuple attend un oiseau rare. Comment est-ce qu'on peut faire le plein à l'aéroport de la Luano? On attend Moïse Katumbi, un criminel qui a fait assassiner notre compatriote Katumba Manke, bien que Katumba Manke était aussi criminel comme lui. Mais il a fait assassiner Katumba Manke. Il a pillé les Katanga, il continue à piller les Katanga. Il a vendu les minéraux stratégiques qui causent l'insécurité dans les soi-disant grandes démocraties du monde, en Amérique, en France, en Angleterre. Les minéraux congolais sont entre les mains de pays belliqueux tels que l'Iran, l'Irak. Et ces minéraux sont entre les mains des Al-Shabaab, des musulmans intégristes qui sont capables de faire exploser n'importe quelle infrastructure partout à cause de lui. Alors que ces minéraux, si on les vendait légalement, en paix de temps, ça développerait le Katanga, ça développerait partout. Si nous avions une justice qui contrôlait nos minéraux, on n'allait pas avoir besoin d'aller en Europe, d'aller faire le Schengen, d'aller n'importe où, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour développer le pays. Mais nous avons des criminels devant nous. Voilà, les gens vont là-bas. Moïse Aïe, il vous donne les tricots. Vous allez manger les tricots. C'est les tricots qui va construire vos maisons. C'est les tricots qui va construire des infrastructures. Tous les autorités, comme en Europe, comme dans les pays, que tous les trains, que tous les bateaux, que tous les aéroports, que tous les immeubles. C'est les tricots qui va faire ça. Vous allez accueillir Moïse pour faire quoi? Vous les Katangé. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Ou peut-être vous avez un complexe d'infériorité raciale parce que Azamundele. D'abord, il n'est pas beau que moi. Hein? Les blancs ne sont pas beaux que nous, les noirs. Hein? C'est pour Azana, avec son nez à câlin comme un perroquin. Et vous souffrez de quoi? Et je vois ici, à Johannesburg, na Kenemer et Antastrut, je raconte des filles. Vous venez célébrer, ce n'est pas votre pays ici. Tout ça, balingue pas sur ma fille, mais on a battu de la Moïse pour atteindre Bangou na maman. Non, tout ça, célébrer pour naio papa. N'engoyé, moni ozali Moïse. Moïse d'abord, c'est un nom de malhonnêteté dans la Bible parce que Moïse ça n'a jamais existé. C'est un mythe, une légende qui s'est racontée partout. À partir de l'empire sumérien, Babylone, tu passes par l'Inde,
On a raconté la même histoire d'un enfant qui était abandonné par sa mère dans un panier flottant dans l'eau. Cette histoire se raconte partout à travers le monde. C'est un mythe. Le nom de Moïse n'a jamais existé et Moïse n'a jamais été au palais royal en Égypte. Donc, c'est un nom de la malhonnêteté de mensonge. CongoDialogue.com. Parce que Étienne Tshisekedi, c'est un criminel. Il a trompé la population pendant tout son temps de l'opposition. Et son fils hérite des mêmes méthodes de tromperie, de vol, de la traîtrise de l'antipatrisme chez nous. C'est lui qui est le traître. Pona liwa pendaison de nos compatriotes qu'on a pendu à la place du 4 janvier, ce qu'on a appelé au stade de martyrs, voilà, complotteur, il y a Pentecôte, avec le premier ministre Kimba Evariste. Tout simplement parce que Kimba était un intellectuel. Mobutu avait peur de la tête de cet intellectuel Katangé. Il fallait les zigouiller, lui et les autres, Anani Jérôme et tout ça. Qui était le traître? C'est Tshisekedi? Vous avez oublié? Qui était le traître pour la mort de Lumumba et qui a osé adresser une lettre au roi Moulopoukeno? La grenouille va bientôt venir. Il appelle Lumumba grenouille, crapaud. Nous avons toute cette lettre-là. Il a écrit la lettre, lui, en tant que ministre de la Justice de l'époque. Et puis, il est impliqué dans beaucoup, d'escroqueries, de détournement de fonds. Ndako limité Zakayete, Zaka, 12e rue, Ndako, il y a l'État, Zaka, Ndako na été. Il n'a jamais acheté une maison là-bas à limité. C'est une maison de l'État. Vous voyez ça? Alors, vous avez un type comme ça, vous voulez le célébrer, héros national, père de la démocratie. Quelle démocratie? Dites-nous, quelle démocratie? Le père de la démocratie, c'est Lumumba qui est mort pour la démocratie. Il a été élu démocratiquement. Le père de la démocratie, c'est Joseph Kasavubu, notre premier président. Il a été élu. Ce sont ces gens-là qui sont les pères de la démocratie. Nous ne devons pas chercher à offusquer l'histoire, à blesser l'histoire de notre pays en cherchant à donner des points à un traître de cette trempe. Il a été un traître de la République. Il est le diable de la République. Il n'est pas le père de la démocratie. Tout ce qu'on fait là, c'est le média Louba qui a cherché à façonner sa personnalité pour que Bamona Mobutu aza Mutumabe, Batumusu aza Batumabe, alors que Azali a mis personnel de Mobutu. Si Mobutu a été dictateur, lui était aussi dictateur, parce que Azali qui motonaye. Mobutu a été dictateur parce que Balinga est dictateur. Il n'y a personne qui n'est dictateur. C'est l'entourage qui fait de quelqu'un un dictateur. Vous voyez? Mobutu aza qui moto, soko lobelie que tala, tika ko subawa, batuazo monayo. Ah, c'est vrai. Pardon. Tika ko sumbawa, tika ko sumbamu kinza batuazo ko kasolo. Mobutu, alenge ko stoppe, a sumbamu kinza. Si l'entourage de Mobutu, au début je parlais du courage, je parlais de la bravoure que nous devons avoir pour dire la vérité. Si l'entourage de Mobutu était honnête, Mobutu ne devait pas être ce qu'il était. Que Balinge Babi sa Mobutu, nous oublions le passé, tu as tué Lumumba, d'accord, tu seras président à vie. Bongi Srebsoka Mboka. Nous allons garder ta sécurité jusqu'à la fin de ta vie. To Bongi Samboka. Vous pensez que Mobutu allait refuser? Vous pensez? Il n'allait pas refuser. L'homme fait dictateur que son entourage. Ce sont ceux-là qui ont fait dictateur. Parce qu'il y a eu des dictateurs qui ont vécu à travers Bamboka Mingi na Mokili. Mais qui ont fait de leur pays de grandes puissances. Joseph Staline. Mais Joseph Staline a construit une industrie militaire terrible qu'il a léguée à la Russie. Aujourd'hui, la Russie est comptée parmi les deux grandes puissances militaires au monde. Mais ça a été un dictateur. Vous voyez ce que le dictateur peut faire? Mais vous allez en Argentine avec Pinochet, vous allez en Chili, mais vous racontez des dictateurs qui ont construit ces pays. L'Occident n'a pas été construit par la démocratie. L'Occident a été construit par la dictature. Tout en laissant ces grandes infrastructures qui sont là, c'est la dictature qui a fait ça. Bon, je ne fais pas, comme je l'ai toujours dit, l'apologie de la dictature ici. Je voudrais dire que
bato oyo bazalaki pembeni na ye na Mobutu nde ba bebisa mboka Mobutu ye mokote Mobutu ye mokote ce sont ses conseillers ce sont ses, tous ces ministres tous ces docteurs tous ces maîtres ce sont eux Mobutu n'a jamais été à l'université Mobutu non, c'est un soldat c'est seulement mais si son entourage basé qu'au conseiller nous avons raté le leadership de la politique d'Afrique nous avons raté le développement à cause de la mesquinerie de la pingrerie des Congolais qui entouraient les Mobutu aujourd'hui nous sommes au bas de l'échelle nous sommes comptés parmi les 3 les 4 pays les plus pauvres du monde à cause de ces professeurs en ceci à cause de ces maîtres en droit. L'arrivée de Tshisekedi au pays, c'est une malédiction au pays. Comment ça? C'est une malédiction parce que on nous amène cette 10 plaies d'Égypte qu'on nous amène chez nous. Hein? C'est une malédiction parce que nous avons encore son fils qui est un héritage empoisonné qui vend les Congos. Alors nous amener encore cette peste, tu sais que dit chez nous, c'est tuer les Congos. Parce qu'ils sont capables de tout faire. Hein? Comment ça? Mais dis donc, tu connais que Gunda papa, maintenant nous t'amènerons que papa est malakat, la kat c'est nani ya, y a cerqué. Est-ce que mon ami papa est mal? Coca moi. Oh, c'est ça. Parce que nous sommes naïfs, personne ne va approcher. Botou na Amazon, ceux qui attaquent les Zaki longue à mon banai. Est-ce que mon ami papa est malakat, y a cerqué? Donc nous Gunda, est-ce que mon ami? Lutumba, lui n'était pas controversé. Papa Wemba a été lié à Biloko Mingi. Vous rappelez quand il était arrêté en Libye par Kadhafi, tout ça, avec Lengouz Kalibond, ce n'était pas une légende. Vous voyez ça? Donc, il faut pour tout à l'heure, ce qui aille, bon fongola, bon tala. Et puis, bon tala, ce qui est allé momité. Parce qu'ils sont capables de fabriquer quelque chose qui est semblable. Bon toucher, nous autres, tout toucher, que les allés, tu sais qu'il dit. Parce que cet enfant est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Et nous devons vérifier ce que ça a. Nous autres, on voudrait construire un mausolée, je ne sais pas, de 10 millions de dollars. Yanine. Pendant que les fonctionnaires de la République ne sont pas payés, au lieu de lui creuser un caveau et l'enterrer comme toute personne, on va dépenser beaucoup d'argent alors que les vivants sont en train de souffrir. Voilà encore une malédiction. Mais ça, c'est grave, ça. Hein? Mais il faut. Votre Bible dit que laissez les morts enterrer les morts. Quelqu'un est mort, enterrez-les. Et occupez-vous de ceux-là qui vivent. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais 10 millions ou je ne sais pas, 10 millions de dollars ou 2 millions, 5, même 5 millions. Mais c'est beaucoup d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires qui n'ont jamais été payés pendant des dizaines de mois. On veut dépenser cet argent pour un menteur, pour un traître. Il n'y a pas de moquerie au peuple congolais que ça. Azali papa naye, kende naye, et pas à Outana Kamanga Kabaya, Kamanga, je ne sais pas où. Le cimetière de la Gombe, c'est le cimetière de Bakongo. Azali cimetière. Bon, il est considéré comme étant un chef coutumier Louba. Amenez-les chez le Balouba dans la province, enterrez-les avec tous les rituels, tout le respect des traditions Louba, bon enterrer naye Kuna. Et s'il faut créer Clotilde Mouké Pembeni Ananaye, qu'on l'efface, au lieu de créer un monument, pourquoi? On n'en a pas, même pas fait pour Georges Pompidou, on n'en a pas fait pour Général de Gaulle. Ils ont dit, caveau comme tout. Dis donc, mais ça, c'est jeter de la bave sur le visage des Congolais qui sont en train de souffrir. Vous venez jeter la malédiction sur la population, vous venez nous ensorceler avec les cadavres d'un traître, d'un voleur. Mais ça, c'est grave, ça. Comment? Mouvement Wana, il y a Algérie, il y a France, et Kokoma, et Panabisoté, parce que nous n'avons pas de leader, parce que le peuple est naïf, parce que le peuple est plongé dans la religiosité qui fonde un peuple veule, un peuple fainéant, un peuple qui ne peut pas se soulever, parce qu'ils ont de poids religieux na katia bongo na bango. Nous sommes gangrenés par les poisons bibliques qui nous tuent et qui ne nous permettent pas de raisonner et de faire ascension mentale.
pour défendre nos intérêts et l'identité de l'homme congolais. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.